Du coup, la vis, il tournait dans le vide. Ben, j'avais pas de choix. J'étais obligé de casser, plier pour sortir l'ancien vidage qui est complètement bouché. Alors ça va venir derrière le baignoire et ça va venir à l'intérieur du baignoire. Donc il y a les joints d'étanchéité. Voilà, entre le baignoire et la vidage. C'est parti, d'abord on va mettre ça. Après, donc ça c'est pour ici. Après, la deuxième chose les amis, moi comme l'accès est un petit peu difficile, donc je vais prendre déjà bouchon. Je vais mettre bouchon ici. Voilà. À cet endroit-là, je mets le bouchon. Le bouchon est serré, donc ça, ce joint-là, elle vient à cet endroit-là. Et ça va vers l'évacuation. Ça, ce raccord-là, elle vient de se clipser sous la vidage. C'est un siphon, donc. Voilà. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, ça, c'est un raccord avec ce joint conique. Il vient comme ça, dans ce sens-là, pour se raccorder sur la partie de siphon. Et ici à l'intérieur, vous avez le PVC qui va passer pour récupérer l'évacuation. Au maximum les amis, ça c'est des endroits qui sont cachés, qui sont pas visibles, qu'on a souvent des fuites qu'on n'arrive pas à les réparer. Donc une fois ça, cette partie là elle est serrée, donc là j'ai plus qu'à prendre le siphon. Le siphon je peux jouer, voilà, le siphon j'ai pas un problème, ça je peux jouer. Je prends la vidage de partie ronde, cette partie là, je mets un joint au dessus et hop, je mets dans ce sens là vers le haut. Elle est comme ça, donc le joint, ça, cette partie là elle rentre dans le baignoire, et la partie basse elle vient de se raccorder au-dessus du vidage. Donc ça donne par le bas les amis, regardez, n'oubliez surtout pas de mettre le joint noir que je vous ai montré. Côté derrière elle est pas emboîtée, mais il faudra que je l'emboîte et par le haut. Voilà, faut mettre cette partie de gris avec le raccord en écrou, écrou en laiton plutôt.
côté je tiens par le bas et l'autre côté il faut la serrer. Une fois le raccord serré les amis, là je peux mettre le bouchon. Une fois serré les amis, là on fait un essai d'eau. On va voir qu'est-ce que ça donne.